Bonjour à tous, vous regardez Météo La Carte, nous sommes le jeudi 19 septembre, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition, en compagnie aujourd'hui d'Audrey Tintoin. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Temps du jour, regardez, le soleil, rendez-vous sur tout le pays, alors quelques ondées en montagne, ce sera plutôt en fin de journée. Un temps très calme avec des températures très agréables. C'est à Paris que nous vous emmenons pour commencer. Météo La Carte vous propose aujourd'hui de mener la Dolce Vita sans quitter la capitale avec une recette de côte de veau pané qui va ravir toute la famille. Et c'est au chef Grégory Marchand que l'on doit ce plat qui va ensoleiller votre journée. Marjorie Lequet n'en a fait qu'une bouchée. Alors, qu'est-ce qu'on mange, chef? Alors, on va manger une côte de veau à la milanaise avec des patatés al forno, une salade de roquette parmesan, tout simplement. Que diriez-vous de prolonger les vacances avec le chef étoilé Grégory Marchand, qui nous propose aujourd'hui une escapade gustative gourmande et généreuse en Italie? Moi, la cuisine, ça m'a permis de voyager. C'est un métier extraordinaire, c'est un métier très humain aussi. Ça nous permet de rencontrer plein de gens, de comprendre des cultures différentes. Voilà, moi qui suis très curieux, je pense que j'ai trouvé ma voie. Ça fait 30 ans maintenant. C'est rue du Nil, en plein cœur de Paris, qu'il nous reçoit pour partager tous les secrets de sa recette. C'est une recette relativement simple, qui ne demande pas énormément d'ingrédients, et une recette délicieuse surtout. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est le goût. Grégory débute avec la préparation de la côte de veau. Alors, donc, on va prendre notre carré de veau. Alors du coup, on va couper une belle tranche de veau, là. On l'a bien préparée, on l'a ficelée. On va couper des tranches d'environ 500 grammes. Ce veau, il l'a déniché chez son boucher, à quelques mètres du restaurant. Hello, hello. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super, écoute, je viens de chercher le petit veau, là, que je t'avais commandé. Livio est boucher depuis 2 ans et demi, et il en connaît déjà un rayon. Oh. Voilà. Donc là, on a un beau veau rosé du Pays Basque, élevé en plein air pendant environ 6 à 8 mois. Et donc, ils ont le temps de brouter l'herbe et donc de fixer le fer présent dans cette herbe, ce qui donne cette couleur rosée, mm-hmm, qui se différencie du veau blanc qui reste sous la mer, qui est parfois anémié aussi. Et la race, tu m'as dit Pyrénéica, donc une race rustique de la région, quoi, du sud-ouest, qui se prête bien à ces milieux-là, un peu escarpés des Pyrénées. Alors ici, dans cette boucherie, on travaille donc sur carcasse, demi-bœuf, demi-veau, agneau. Et l'idée, c'est de travailler en direct avec les éleveurs, des éleveurs qui font de l'élevage en plein air, qui nourrissent pas leurs bêtes avec des OGM, pas d'ensilage, il y a un respect de l'animal, et aussi qui valorisent le terroir. C'est super, hein. On est vraiment sur un produit d'exception. Ouais, là, hein. Un beau carré. Véritable cocon, la rue du Nil déborde de gourmandises. Cette rue du Nil, hein, donc une petite artère de 72 mètres de long au cœur du sentier, rue pavée, ancien accès à la plus grande cour des miracles de France à l'époque. Voilà, c'est un petit village dans le cœur de Paris avec des commerces de bouche, des restaurants, un torréfacteur. C'est inspirant, nous, aujourd'hui, avoir une rue comme ça. Moi, je marche dans la rue avec mes chefs et nos menus sont écrits devant les produits. Et ça, franchement, c'est une chance incroyable. Eh ben, je te remercie. Avec grand plaisir. Regarde-toi. Comme ça, on va l'amener en cuisine. C'est entre de bonnes mains. Allez. Merci. On va l'agrandir un petit peu, l'aplatir, à l'aide de cet instrument de torture. Tout doucement. Voilà. Pour que, en fin de compte, l'aplatir et que le ratio de croustillant de la panure soit en adéquation avec le ratio de la viande tendre et moelleuse. D'accord ? Ça va aussi faciliter une cuisson uniforme. Si jamais on n'a pas cet instrument un peu bizarre de boucher à la maison, on peut aussi utiliser une casserole, bien sûr. Alors après, on va faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. Hein. Donc c'est une panure toute simple. On va d'abord mettre notre viande dans la farine. Après, ce qui est important aussi, ça va être de tapoter la viande pour enlever, vous voyez, l'excédent de farine. D'accord ? Ça va permettre à la chapelure de bien coller. Ensuite, la deuxième étape de la panure à l'anglaise, c'est les œufs. La seule différence ici,
c'est que dans notre panure, donc nous, on utilise les restes de focaccia qu'on fait sécher et une chapelure japonaise qu'on appelle du penko, donc une chapelure très légère de pain de mie japonais. Et puis, on va venir rajouter du romarin et de la sauge pour donner un petit peu de saveur supplémentaire. Magnifique. Le chef s'attaque ensuite aux pommes de terre. On va les couper, mais alors assez épais, un bon centimètre, pour qu'il y ait quand même un petit peu de mâche quand on va les retirer. Et là, on va préparer un petit peu la garniture. Moi, j'aime bien, mais vraiment mettre le romarin, le thym, puis cette taille magnifique. Ça, c'est un petit thym nouveau. Vous voyez, la peau n'est pas encore formée, donc on peut vraiment tout manger dedans, comme ceci. Il ajoute de l'huile d'olive et mélange le tout. On va mettre tout simplement les pommes de terre dans un plat à rôtir à plat, d'accord ? Comme ça, il va y avoir une coloration aussi uniforme. On va pouvoir enfourner les pommes de terre 180 degrés. On va mettre ça à peu près pendant 30-40 minutes. Grégory réalise ensuite une petite vinaigrette aigre-douce avec du citron de Sicile pour sublimer la roquette. Et on va venir râper le zeste, comme ça en plus on ne perd rien sur le citron, on utilise vraiment tout. Donc il faut faire bien attention de mettre que le zeste et non pas le ziste hein, qui est la partie blanche qui peut rapporter de l'amertume. Du jus de citron, de l'ail haché, une touche de miel, une goutte d'huile d'olive et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à cuire la côte de veau panée dans du beurre clarifié bien chaud. C'est bien d'arroser, hein, ça vient nourrir aussi la viande, ça vient uniformiser encore une fois la cuisson, surtout près de l'os. On veut que le beurre il mousse comme ça. Et on veut qu'il chante aussi. Vous entendez ça? Il chante là. 4 minutes de cuisson de chaque côté suffisent. Et autant de repos pour que la viande se détende. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Et surtout, à vous régaler. Et surtout, ne pas lésiner sur le beurre. Il y avait et pour du beurre. Il y avait un tout petit peu de beurre, oui. Et pour refaire ce plat chez vous, tous les détails sont sur notre plateforme France.tv. L'Ain, maintenant, où Georges Blanc, le plus ancien des chefs triplement étoilés, nous a ouvert les portes de son établissement et de son cœur aussi. Il s'est confié sur son parcours exceptionnel, son amour des bons produits de saison et sa vision de la gastronomie française à Paul-Antoine Balland. Il est né pendant la guerre à Bourg-en-Bresse. C'est le chef de canton du département de l'Ain, qui est un département magnifique. Mes parents étaient très occupés par leurs activités et j'ai pas beaucoup vécu avec mes parents. J'ai fait 9 ans de pension, vous imaginez, et j'étais jamais là l'été, j'étais en plein milieu de vacances. Donc je me suis un peu débrouillé tout seul. Je rêvais d'aviation. Malheureusement, il y a une visite médicale préalable qui m'a rendu inapte puisque j'étais daltonien. Donc j'ai fait un autre métier, je suis rentré à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Dès que je suis arrivé en cuisine ici et qu'on a pu gravir les échelons, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et ma vie, bien sûr, a pris une nouvelle dimension. À 81 printemps, Georges Blanc est tout simplement l'un des plus grands chefs de tous les temps. Parmi les 145 chefs triplement étoilés dans le monde, Georges Blanc est le seul à avoir conservé ses 3 étoiles pendant 44 ans. Une prouesse reconnue par l'ensemble de la profession. Georges Blanc m'évoque la volaille de Bresse, ça m'évoque la cuisine généreuse, la cuisine à la crème. C'est une cuisine très classique, très très bien réalisée. Il y a beaucoup beaucoup de travail et de tradition dedans. C'est le pape de la gastronomie en France. Donc oui, c'est une des plus belles références à ce jour. Je pense être quelqu'un qui est sérieux dans son engagement. Je cultive une certaine discrétion. Je crois que c'est une grande chance hein, de pouvoir exercer un métier qui me passionne. Faire découvrir au fil du temps, au fil des saisons, avec les plus grands produits, c'est un peu la base de la grande cuisine aujourd'hui. Surtout, j'en tire un grand plaisir parce que faire de son métier un plaisir, c'est pouvoir embellir son avenir. Et l'avenir sourit aux audacieux. En 50 ans, Georges Blanc a bâti un véritable empire, une cité idéale rythmée par les saisons. D'un établissement avec 10 employés,
Georges Blanc a développé un village de 6 hectares et règne désormais sur un groupe de 8 restaurants, 5 hôtels, un vignoble et il emploie 350 salariés. On a créé notre propre village à l'intérieur du village existant, simplement pour protéger notre environnement et réunir sur un site harmonieux tous ceux qui sont là en attente d'un moment exceptionnel, relevant un peu de l'art de vivre. Et c'est ici, dans le fief familial de Vonnas, dans l'Ain, que cette incroyable histoire a commencé. En 1872, son arrière-grand-père installe une limonaderie sur la place du village. En 1902, sa grand-mère, Elisa Blanc, transforme l'établissement en restaurant et devient la première femme au monde à décrocher une étoile en 1929, puis une seconde, 2 ans après. Ça, c'est moi sur les genoux de ma grand-mère, Elisa, qui habitait dans la petite maison ici. Ça, c'est mes parents, ma mère au fourneau. En 1934, les parents de Georges Blanc héritent de l'affaire familiale et la transmettent à leur fils, qui décroche une 3e étoile en 1981. Mon père est décédé avant l'arrivée de la 3e étoile. Il m'a fait confiance depuis le début où j'ai pris la suite, en cautionnant tous les emprunts au crédit. Il aurait été content de voir le résultat, le changement et tout ce qu'on a fait depuis. Incroyable, ça me touche. Le chef achète alors tour à tour chaque maison et commerce du village. Mais le cœur battant de la réussite de Georges Blanc, c'est ce célèbre restaurant 3 étoiles qui renferme une prestigieuse cave à vin. Ici, il y a à peu près 130 000 bouteilles avec 10 000 étiquettes différentes. Il y a des vins qui ont plus de 150 ans là. Et 3 cuisines dans lesquelles des dizaines d'employés triés sur le volet s'attachent à pérenniser l'excellence de la gastronomie française. Entremets au homard, croque-monsieur à la truffe, ouvrent un défilé de plats élégants et raffinés dessinés par Monsieur Blanc. J'ai l'honnêteté de vous dire que je ne suis plus instrumentiste, mais je suis en fait le chef d'orchestre et le compositeur de la musique. Messieurs, mesdames, bonjour. Mais je suis là en permanence pour contrôler ce qui se passe, être le gardien un peu du temple, m'assurer que la qualité est conforme à ce que les gens attendent quand ils viennent vers nous. Comment ça va ? Bonjour, monsieur. Ça va ? Et justement, le chef vient faire une inspection surprise. Il y a quelque chose à présenter là-dedans ? Oui, bien sûr. Mais là, vous me prenez à froid. Pour tester le dernier dessert 3 étoiles de la carte estivale de Gabriel Lecouang, meilleur ouvrier de France pâtisserie en 2023. T'as les petites arabesques choco, s'il te plaît. Le confit de citron. C'est de la précision, comme l'horlogerie suisse. Il faut toujours goûter, réessayer, refaire. Ajuster. Voilà. Ajuster, surtout le goût. Et il est intransigeant. Bien sûr, c'est sa maison, c'est son bébé. Donc là, chef, on est sur un dessert tout chocolat, dans lequel on a ajouté un croustillant avec de l'amarante, crémeux chocolat blanc, et une glace à la vanille torréfiée, et la sauce au chocolat Milo, assaisonné au whisky fumé, aux algues d'Arcachon. Bonne dégustation. Suspendu à la première bouchée du chef, la pression monte pour Gabriel. Moi, je crois que c'est beau et bon à la fois. Hein. Bravo, hein, c'est fort en goût. Hein. Merci. Franchement. Ouais, je suis content. Celui-ci, j'en suis content, c'est rare. Gabriel, c'est un bon, quand même. On ne l'a pas choisi pour rien. Merci, Gabriel. À plus tard. Avec plaisir, bonne journée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le niveau qu'on a atteint, il n'a jamais été atteint précédemment. Bonjour, messieurs, ça va? C'est un investissement. Il faut avoir une équipe nombreuse pour pouvoir produire. Et une équipe qui joue au complet. Je n'existe pas sans équipe, et l'équipe n'existerait peut-être pas sans moi. Bien que l'équipe se soit renouvelée au fil des années, le savoir-faire centenaire de la famille Blanc, tourné vers l'excellence et le respect des saisons, a toujours séduit les célébrités du monde entier. Alors tous ces personnages sont passés par ici. J'ai une histoire sur chacun d'entre eux. Tom Cruise a fait son voyage de noces ici, avec Nicole Kidman qui est restée une semaine. Il était d'une grande simplicité. Je lui ai fait découvrir le Beaujolais avec une andouillette dans le Beaujolais. Romy Schneider, qui était venu, qui m'avait donné la recette du gâteau au chocolat de sa mère, qui était autrichienne. Mais il y a plein de célébrités, mais il y a aussi des gens modestes que personne ne connaît et qui j'ai des souvenirs incroyables. Le menu du restaurant gastronomique reste inaccessible, mais dans ces autres établissements, ils sont beaucoup plus abordables. Mais au-delà de partager une émotion avec ses clients, Georges Blanc devra aussi transmettre les rênes de son empire à l'un de ses 3 enfants. Et pourtant le plus ancien étoilé de France,
ne semble pas disposer à organiser sa succession. Je n'ai pas pensé à m'arrêter. Je pense que je m'arrêterai naturellement quand j'aurai plus la force. Le moment n'est pas venu pour l'instant. J'ai encore des projets pour plusieurs années. J'essaye d'être le meilleur ouvrier sur place quand les gens viennent vers moi ici, dans ce merveilleux village qui a été transformé. Et voilà, c'est formidable. Je suis un homme heureux, franchement. Et à 13h12, on enchaîne dans le Vaucluse avec la visite de Cavaillon. Et connue pour ses melons, cette petite ville du Vaucluse bénéficie d'un climat privilégié. Et à en croire les habitants, à Cavaillon, c'est toujours l'été. Si cette douceur de vivre typiquement provençale avait déjà séduit les Romains, aujourd'hui, elle a fait craquer Célia Judas. C'est vrai qu'on est dans une région, mais ni les dieux, hein. Avec les Alpilles d'un côté, le Luberon de l'autre, le Ventoux. Aux portes du Luberon, à flanc de colline, se niche une cité de caractère. Cavaillon, pour moi, c'est la plus belle ville du Vaucluse, même peut-être de France. Et c'est vrai que nous n'avons que deux saisons à Cavaillon, l'été et l'été. Ni plus ni moins, il fait bon tout le temps ici. Avec ses 300 jours de soleil par an, Cavaillon offre une douceur de vivre et un terroir exceptionnel. Ça, c'est un melon de Cavaillon. Sens-moi ça. Et magnifique. Mmh. Quelle belle odeur. Bonne odeur de terre, de soleil. Connu dans le monde entier grâce à son melon, à Cavaillon, on se délecte aussi de quelques belles pages d'histoire. C'est une ville riche pour son patrimoine, pour sa culture. On n'imagine pas tout ce flot de beauté qu'il y a encore à découvrir, caché, secret, en Provence. Entre patrimoine, écrins de nature et gourmandise, Météo à la carte vous offre aujourd'hui une parenthèse inattendue et pleine de charme. Cavaillon est un pays magique. Pour découvrir la beauté de ce petit paradis provençal, notre escapade débute aux côtés de Sonia. C'est la ville où j'ai grandi, Cavaillon, c'est ma ville. Cette ville mérite le travail que l'on y fait, on l'aime beaucoup. Et ce joli ciel que vous n'avez pas toujours partout, qu'on s'est approprié et que l'on garde, cela participe à notre bonheur. À 56 printemps, cette Cavaillonnaise connaît sa ville par cœur. Jusqu'aux lieux les plus insolites. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment va, ma belle? Ça va. Bonjour. Viens voir les nouveaux trésors. Waouh. Super, dis donc. Hey. Vous avez sacrément bossé, hein? Ah ben tiens! Christian et Olivier, père et fils, habitent l'hôtel d'Agar, bâti sur les ruines des cités grecques et romaines. Cette incroyable demeure est le témoin précieux de l'histoire de Cavaillon. Voilà, t'as tout avancé. Oui. Le trou est pas grand, mais on peut y aller. Oui. Donc c'est là que vous avez trouvé ce fameux trésor. Il était ici. Celui que l'on surnomme le trésor de Cavaillon est composé de 303 remarquables deniers d'argent. Découvert par Christian en 2010, il constitue à ce jour la plus importante découverte dans le Vaucluse. C'est l'histoire d'une découverte fortuite. En dessouchant un arbre qui nous gênait, un mauvais acacia, on a découvert donc les peintures romaines. Pour moi, c'était ça le trésor. Et au milieu, il y avait un petit tas qui s'est révélé être petit à petit un trésor. Ça a été un mois de travail pour dégager pièce après pièce. On imagine que cette découverte peut aller beaucoup plus loin, puisque c'est tout le quartier. Voire toute la ville. Voilà, donc on va laisser notre jardin et on va rentrer dans la maison. Dans cet hôtel particulier, du jardin aux étages de la maison, les époques se suivent et se côtoient. Il n'est pas rare de voir une statuette préhistorique de 12 000 ans avant Jésus-Christ, provençale, à côté d'un objet de Stark, d'un objet de Jeff Koons. Voilà, vous avez vraiment tout le monde qui se met à dialoguer. Oh, magnifique! On est vraiment dans un cabinet de curiosité comme on en a peu l'occasion de voir. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Propriété de la famille Morand depuis deux décennies, Olivier a grandi dans cette demeure hors du temps. Quand nous sommes arrivés dans cette maison, elle était absolument vide, elle aurait même dû être détruite. Donc non seulement nous l'avons sauvée, non seulement nous avons découvert de très nombreux trésors d'architecture, mais en plus on l'a remplie à ras-bord d'objets parfois fondamentaux pour la Provence.
On habite dans cette maison depuis 27 ans, on continue d'y habiter et on va continuer d'y habiter. C'est toute la différence avec les musées, vous êtes dans un lieu qui vit, un lieu qui bouge, un lieu qui est organique. Aujourd'hui, c'est ensemble que père et fils continuent de faire vivre et revivre ce joyau du patrimoine cavaillonnais. Il m'a tout donné, je lui dois tout, pour cet amour, cette curiosité, cette méthode aussi scientifique de manière de regarder les choses. La transmission, c'est pour nous absolument crucial. S'intéresser à la réelle histoire, ça fait partie de notre civilisation, de notre essence, de notre vie. Sans histoire, sans passé, on n'existe pas. Et des vestiges du temps, il y en a beaucoup à Cavaillon. Bonjour, mon ami. Alors, inspection des travaux finis. Alors, fini, pas du tout. Le chantier, on va dire, est à mi-parcours. D'accord. Voilà, donc ce pont a une particularité qui réside par le fait qu'il a été dessiné par l'illustre Léonard de Vinci. Il y a des travaux parce que, effectivement, cet ouvrage qui date de 1540 a subi les affres du temps et a connu de nombreuses crues, dont celle de 94. Hervé est le directeur du canal Saint-Julien, le premier creusé en Provence, qui continue aujourd'hui encore d'être d'une importance capitale pour la ville. Il est destiné sur une mission de prélèvement, de transport et de distribution d'eau pour l'irrigation des terres. Donc l'été, on utilise le canal pour l'arrosage. Mais sur les autres périodes hivernales, en général, le canal, il a aussi une autre fonction, c'est qu'il collecte et il évacue des eaux pluviales. C'est ce qui a fait la richesse de Cavaillon. Ce canal, il est indissociable du territoire et la population y est très, très attachée. Si les Cavaillonnais sont attachés à ces trésors, Sonia, qui œuvre chaque jour pour la ville où elle a grandi, a su redynamiser le centre-ville, peu à peu tombé dans l'oubli. Il y a eu un désamour de Cavaillon il y a quelques années de cela. On n'est jamais content de ce que l'on a, on n'est jamais conscient de ce que l'on a, on n'ouvre pas les yeux sur ce que l'on a. Et lorsqu'on ouvre les yeux, quand on regarde bien, on est pas mal, hein. C'est pas mal. Et puis après, c'est action-réaction, c'est-à-dire on aime notre ville, on veut l'occuper, et du coup, ben, on l'occupe. On a un joli terrain de jeu, il faut simplement y jouer. Je vous reconnais quelqu'un. Salut Jean-Jacques. Oh, la belle Sonia. Comment vas-tu, mon Jean-Jacques? Mon Dieu, tes sourires de rêve. Sourires de Cavaillon. Pour la soutenir dans cette volonté de rendre à Cavaillon toute sa splendeur, Sonia a pu compter sur le soutien indéfectible des Cavaillonnais. T'as vu la lavande, comme elle est belle? Elle est magnifique, hein, t'as vu? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça sent la bien. Provence, là, Jean-Jacques? Ça sent la Provence, puis je respire mieux, en fait. Je me sens bien. À l'image de Jean-Jacques, à la tête pendant plus de 45 ans du seul restaurant étoilé de la ville. Je suis très attaché à cette ville, à Cavaillon. On a vu les boutiques s'éteindre et fermer les unes après les autres, donc ça nous a fait du mal. Évidemment, c'était triste. Moi, j'y ai passé souvent, mais bon, je gardais que les bons souvenirs. Mais c'est pas suffisant, il faut que ça revive, ça redevienne joyeux et coloré. Il faut donner les bonnes habitudes aux gens de revenir. Il faut leur faire confiance, ils vont revenir, n'est-ce pas, Sonia? Oui, mon ami, bien sûr, on y travaille. Grâce au dévouement de Sonia, menée main dans la main avec la municipalité, la ville de Cavaillon continuera pour longtemps encore de faire la renommée de la Provence. Et nous retournons dans l'Ain où nous étions déjà un petit peu plus tôt dans l'émission. Ouais, pour retrouver Didier. Parce que Didier, il a deux passions dans la vie. Johnny et les lamas. En véritable rocker au cœur tendre, il a littéralement craqué pour ces animaux qui se sont très bien adaptés aux températures locales. Et pour partager son amour des lamas, eh bien, il organise des balades en musique. Du rock, évidemment. C'est un portrait signé Camille Kellou. À 20 km de Bourg-en-Bresse, il n'est pas rare de le voir fendre la campagne sur sa grosse cylindrée. Ouais, avec moi, c'est rock'n'roll. Rock'n'roll attitude. Sur son état civil, c'est Didier Donin de Rosière, mais il se fait appeler Johnny. À 64 ans, ce fan du taulier et du rock'n'roll tombe son blouson de cuir quand il s'occupe de ses lamas et alpagas. Salut les gars! Alors vous avez passé une bonne nuit? C'est leur attitude, parfois, qui est rock'n'roll. Cracher, ça leur arrive de se bagarrer. Ils sont rock. Plus que moi.
Johnny parlait d'été trop lourd et d'hiver trop rude. Les camélidés de Didier, eux, adorent surtout l'automne et les températures qui chutent. Ce sont des animaux qui viennent d'Amérique du Sud. Là-bas, bah, les nuits sont très fraîches et les journées sont chaudes. Donc il leur faut suffisamment de laine pour résister aux basses températures. L'hiver, ils dorment sous les arbres, ils peuvent même dormir sous la pluie, dormir dans la neige. Ce n'est pas un souci pour eux. Alors là, nous sommes avec le lama, le chef. Et là derrière, vous avez Illico, qui est le bad boy, le petit merdeux. Alors on le reconnaît de son père à la coupe. Il a la coupe mulet. Ça lui va très bien. Il lui manque plus que le blouson et la mobilette. En 2018, Didier est licencié d'une entreprise de sécurité privée. Un choc qui lui ouvre les yeux et le fait littéralement changer de vie. J'ai perdu mon emploi au bout de 37 ans d'ancienneté. Merci messieurs. Et à la recherche d'un nouvel emploi, je souhaitais m'orienter vers le milieu animalier, me reconvertir. Et je suis allé voir des zoos et un élevage de lamas. Et là, quand Sylvette, l'éleveuse, m'a présenté les animaux, eh bien là, j'ai craqué. Quand je me suis retrouvé dans le parc, entouré des lamas et des alpagas, là, je me suis dit, oui, ça, c'est pour moi, ça. Tu me claques la bise? Non? Tu me claques la bise? Il fait la gueule. Il en achète deux, puis trois, puis quatre, et aujourd'hui, il vit entouré de six camélidés. Un investissement qu'il ne regrette absolument pas. Vous bousculez pas. Ce sont des animaux atypiques, vous voyez, qui apportent beaucoup de choses. Bon, qui ont un caractère bien affirmé, hein. C'est pas des moutons, hein, mais très attendrissant, très intéressant. Voilà. J'avais tout pour devenir quelqu'un. Pour filer doux sur le droit chemin. Ce cœur de rocker. Ça va les toutous ? Cultive sa ressemblance avec son idole, Johnny Hallyday. Ah voilà, là nous sommes dans ma pièce américaine. Donc là, bah, vous pouvez y trouver une collection de vieilles voitures américaines. Une collection de bottes, de chapeaux, de vinyles de Johnny et même quelques petites curiosités. Et quelques livres sur Jojo, sur Johnny. Un livre sur les recettes préférées de Johnny. Alors Johnny, il mangeait très épicé. Hein. Très épicé. Voilà, vous voyez. Celui-ci, je l'adore, vous voyez. Il était déjà marqué par la vie. Hein. Et il est magnifique. Johnny, mon premier 45 tours, j'avais 8 ans. 8 ou 9 ans, c'était « Que je t'aime ». C'est un peu toute ma vie. Hein. J'ai une enfance un peu cabossée. Donc il y a des points communs. Il continue à m'accompagner, bien qu'il ne soit plus là. Il est toujours là pour moi. Il est toujours là. Voilà. Tu vas être tout beau. Pour faire partager ses deux passions, Johnny organise des balades avec ses animaux pour faire découvrir le bocage bressant aux petits et grands enfants de 7 à 97 ans. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Une activité qui lui permet d'arrondir sa retraite et de réaliser son rêve de vivre auprès des animaux. Alors on va faire une petite balade qui fait 3,5 km. On sera pratiquement tout le temps à l'ombre, ça c'est très important, comme ces animaux craignent la chaleur. On sera au frais dans les bois. Ben franchement, moi ça m'amuse beaucoup, je suis contente de me promener avec des lamas, plus ben il est plutôt gentil. Je vois que les gens sont ravis et moi c'est une grosse récompense, vraiment une grosse récompense d'apporter du bonheur aux gens. Le paradis, il est sur Terre, hein. Il n'est pas ailleurs. Hein. Ah, ils sont très cool. Hein. Faut en être conscient. Faut apprécier ce que l'on a et en profiter au maximum. Et la musique vivra tant que vivra le blues. Vous chantez?
s'il vous plaît. Vais l'avoir dans la tête très longtemps, en tout cas. Très certainement. Bonne journée à tous. On part dans les Ardennes maintenant, où nous allons vous brosser dans le sens du poil. Depuis 1822, l'entreprise dirigée aujourd'hui par Alexandre est spécialisée dans la conception de brosses et de pinceaux. Ces objets sont réalisés à partir de soie de cochon et leur qualité ravit tous les peintres du pays. Et c'est en fin d'été ou en automne qu'ils sont le plus faciles à réaliser. On est garant d'un patrimoine, ça fait plus de 200 ans qu'on fabrique de la brosserie. On continue à le faire vivre par l'innovation, par la formation aussi des jeunes qu'on prend ici. Bienvenue au Mazur, au cœur de la plus vieille entreprise des Ardennes, née en 1822. Nous sommes dans une brosserie, la dernière de l'Est de la France. Les artisans passionnés de cette entreprise ont de l'or entre les mains et sont fiers de résister à la concurrence en perpétuant et en modernisant un savoir-faire ancestral. On est un peu comme un ovni dans le monde de l'art, de la brosserie, puisqu'on est au départ basé sur la brosse du peintre, mais on a su, année après année, se diversifier et tisser, on va dire, des liens avec différents domaines. Et c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver au quotidien. On est dans l'atelier de l'entreprise. C'est ici qu'on fabrique 200 000 brosses par an qui sont expédiées en France, en Europe, mais aussi dans le reste du monde, puisqu'on a des clients à New York, à Séoul, pour les plus lointains, on va dire. En 2019, la brosserie d'Alexandre a même décroché le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant pour son histoire et ses innovations particulièrement étonnantes. Aussi étrange que ça puisse paraître, on a eu certaines collaborations avec certaines marques du luxe pour lesquelles on a sorti des brosses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ont un côté un peu plus, je vais dire, glamour au sexy. Ces produits peuvent être utilisés pour entretenir certains textiles, pour retirer certaines peluches ou de la poussière ou autre. On va pouvoir utiliser une brosse. Alors la matière première, tout au départ pour la brosserie, c'est la soie de porc. Voilà, le poil de cochon. La soie de porc, c'est en effet le nom donné au poil prélevé sur le cochon. C'est une fibre qui est conique, avec une racine et une pointe, ce qui fait que l'application de la peinture va être encore plus précise. Formé dans de grandes écoles de commerce et de marketing à Paris, ce trentenaire est revenu à ses sources ardennaises en reprenant l'entreprise de son papa, Tadek. Papa nous a quittés il y a 2 ans maintenant et cette entreprise, elle représente beaucoup puisque je succède à mon père. Au-delà de succéder à mon père, c'est comme une deuxième famille qui est ici puisque les gens avec qui je travaille, pour la plupart en tout cas, les plus anciens m'ont connu vraiment très jeune. Donc ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Pour l'aider à confectionner les plus beaux pinceaux, Alexandre peut compter sur Catherine, une ouvrière qui a consacré sa vie à l'entreprise. Avec une grande dextérité, elle répète inlassablement les mêmes gestes, plus ou moins délicats à réaliser selon le temps qu'il fait. Quand il fait fort chaud, on ralentit. On travaille pas à la vitesse qu'on devrait aller. On a les mains moites déjà, voilà, c'est ça. Donc pour attraper la soie, c'est pas évident. À 63 ans, Catherine compte déjà 43 ans d'ancienneté et connaît donc évidemment son jeune patron depuis toujours. Je l'ai connu dans le Koufa. Eh oui. Donc ça fait beaucoup d'années. Hein. Je suis contente qu'il ait pris la succession de l'entreprise. Quoi. Alors, comme ça, elle vit encore. Catherine, ça représente un pilier de l'entreprise. Elle est là depuis 43 ans avec nous. C'est la brossière par excellence. Qu'elle parte, ça nous ferait tous très mal au cœur, je pense. Le jour que je vais partir, je crois que ça va faire du mal, ça va faire du mal. Depuis toutes les années que je suis là, je connais tout le monde. Donc voilà, c'est une famille pour moi. Catherine compte partir dans 2 ans. En attendant, elle forme la nouvelle génération, car ici, il n'y a pas d'école pour apprendre. Les gestes se transmettent de brossière en brossière. Ça va, Laurie ? Oui, très bien. Ouais. Je ne mets pas trop de sciure. Ah ben c'est la toute dernière tourneuse qui se débrouille pas mal. Ouais. J'espère qu'elle ira loin. Oh, oui, j'y compte bien. Oui, hein. J'y compte bien. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, plein de sortes de pinceaux, de références. Puis, qui sait, peut-être retransmettre comme le fait Catherine avec moi, comme elle l'a fait avec d'autres personnes auparavant.
Et ces pinceaux haut de gamme, réalisés par des mains d'orfèvres, font le bonheur des artistes comme Christine, qui nous a donné rendez-vous dans un lieu plutôt inattendu. Je peins des mots et des lettres et généralement, j'essaye de leur de donner un sens à ce que je, à ce que j'écris, à ce que je décide de faire. Est-ce que j'ai un grain de folie ? Probablement, sinon je pense que je ne ferais pas ce que je fais dans la vie. Les pinceaux d'Alexandre, je les trouve merveilleux. Je les trouve beaux déjà. C'est des pinceaux qui ne bougent pas. Par exemple, pleine canicule avec une peinture qui va sécher rapidement. Si je le lave bien, il va reprendre sa forme originale. Ce qui n'est quand même pas le cas des pinceaux lambda. La meilleure saison pour moi, c'est le printemps. Et l'automne, c'est chouette aussi. Des milliers de brosses et pinceaux destinés aux professionnels du monde entier sont fabriqués ici. En reprenant l'atelier de son père, Alexandre a su apporter sa vision et dépoussiérer l'image de ces petits outils complètement banals. Quand je suis dans l'entreprise, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. Et parfois, je me dis encore, mais tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui ? Je pense qu'il aurait été très ému de savoir qu'on pouvait dire ça sur nous, que vous êtes là aujourd'hui, tout simplement. Et donc, oui, je vais dire que je suis très fier, même si je sais qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Au revoir. Avec une météo très défavorable au printemps, la production de miel est en chute libre. Les apiculteurs sont obligés de nourrir eux-mêmes leurs abeilles. Des coûts supplémentaires dans un contexte déjà tendu, comme nous l'expliquent nos équipes de France 3 Régions. . 2024, une année noire pour les apiculteurs. La météo de ce printemps a fortement contrarié les abeilles et donc impacté la production de miel. Sur tout le territoire, les apiculteurs déplorent jusqu'à 90% de pertes, comme ici à Loupland dans la Sarthe. Pour notre entreprise, on devait produire sur la passe printemps, entre le printemps et l'acacia, une vingtaine de tonnes de miel. On a réussi à en produire cette année uniquement 1,8 tonnes, même pas 10% de ce qu'on espérait. La principale raison de ce marasme, ce sont les fortes précipitations du début de l'année. Conséquence, les abeilles n'ont pas pu sortir de leur ruche. D'ordinaire, elles sont entièrement autonomes, mais cette année, il a donc fallu les alimenter. On a dû effectivement intervenir pour les sauver, pour les nourrir. Au printemps. Et malgré ça, on a quand même perdu quelques ruches. Nous, sur l'exploitation, sur les 800, on en a perdu 100 mortes de faim parce qu'on n'a pas pu intervenir à temps pour nourrir tout le monde en même temps. Des colonies d'abeilles affamées, affaiblies, le constat est le même dans de nombreuses exploitations. Au-delà des prix, les syndicats apicoles craignent aussi que certains ne jettent l'éponge. La récolte du miel de printemps, cette récolte qui a lieu début mai, globalement, les retours que j'ai de nos 110 adhérents, c'est divisé par 3 ou par 4. Ce que je crains, c'est que certains réduisent ou certains arrêtent. Parce que bon, bah là, clairement, c'est une année où ça va coûter de l'argent et on n'aura presque pas récolté. Le prix du miel français pourrait donc augmenter à l'automne. Les consommateurs devraient alors débourser davantage ou se tourner vers un miel étranger de moins bonne qualité. Et la Drôme, maintenant, où nous vous offrons une pause zen. On zen avec la visite d'un jardin unique entre la vallée de l'Isère et le massif du Vercors. Conçu selon le Feng Shui, il offre un parcours initiatique avec des espaces de méditation et de promenade. Au beau jour, la nature y est sublimée par ce que l'on appelle l'art des jardiniers. Visite avec Manon Hoguel. Des arbustes aux formes douces, des étangs peuplés de poissons et de grenouilles. Une rivière indomptable, assagie par un barrage de galets. Ici, tout est contemplation. Nous ne sommes pas au pays du soleil levant, mais dans la Drôme, à Beaumont-Monteux, à 15 km de Valence. Ici, l'artiste Éric Borja, disparu en 2022, s'est inspiré des traditions japonaises pour imaginer un jardin zen. Une aventure qui continue avec son ami et bras droit, Loïc. On fait ça pour que les gens, eux, se sentent bien et méditent, mais nous, comme on est vraiment acteurs de la chose, on va dire qu'on médite dans l'action. Météo à la carte vous invite à un voyage dans les méandres d'un jardin
extraordinaire, niché au creux des collines et des vignes drômoises. Loïc est jardinier en chef. Originaire de Vaison-la-Romaine, il est arrivé au Jardin Zen en 1999 pour un job d'été. Il n'en est plus jamais reparti. Sa rencontre avec Éric Borja a totalement bouleversé sa vie. Moi, c'est devenu ma seconde maison. D'ailleurs, j'habite sur place, mes enfants ont grandi ici. Non, je me sens chez moi. Pour moi, ce jardin, il est 25 ans de ma vie et aussi une part d'Éric qui reste en moi. C'est là qu'il habitait, on mangeait là tous ensemble tous les midis. On vivait vraiment ensemble. C'était à la fois mon maître et à la fois mon plus grand ami. Et quelqu'un de vraiment très inspirant. Je dois dire que de continuer son œuvre aussi, ça permet de... Enfin, je l'ai perdu, mais je ne l'ai pas totalement perdu non plus, quoi. Éric Borja est né à Alger. Sculpteur de formation, il décide en 1973 de créer ce jardin zen autour de sa résidence d'été. Il était en quête de sérénité et d'harmonie avec la nature. L'expression la plus pure de cette recherche, c'est le jardin sec ou carré sansui. Chaque matin, Loïc et son assistant, Martin, le composent. Je vais m'occuper de faire les cercles. Allez, super. On va dire qu'on met une bonne heure à deux. Le jardin sec est un paysage à échelle réduite. Les roches représentent des montagnes et les vagues de l'océan sont dessinées au râteau. Martin vient de Lyon. Il travaillait autrefois dans les enchères. Pour lui, pratiquer le ratissage, c'est une méditation plutôt sportive. C'est un peu comme dans le tai-chi où on a des enchaînements à répéter. C'est une chorégraphie qu'on répète un peu chaque jour et dans laquelle il faut avoir le plus de fluidité possible pour que le tracé soit le plus net possible. Quand il pleut, on le ratisse et c'est parfois plus facile parce qu'on voit mieux ce qu'on fait. Parce que là, quand le soleil plombe comme ça, on ne voit pas forcément les trames qu'on est en train de faire. Mais c'est ce qui participe aussi à la méditation, ça floute un peu l'environnement. Loïc doit laisser Martin poursuivre ce ratissage méditatif, car d'autres travaux l'attendent. Il va se charger de la taille traditionnelle en nuages ou niwaki, conférant aux arbustes un aspect de bonsaï. J'en ai pour deux jours, je pense, minimum. Il y a des moments où on est vraiment ailleurs. On est quand même concentré sur le travail, mais on est dans une sorte de vacuité. Et du coup, on n'a pas l'impression de bosser, quoi. Ça, c'est pas mal. On sent quand même le changement climatique. Cette année encore, ça a été très pluvieux. Ça a été même exceptionnel. Pour lutter un peu contre ce dérèglement climatique, la parcelle qu'on a récupérée à l'arrière du nouveau jardin zen, on a pris l'option de faire comme une forêt sauvage qui va servir à la fois de décor, de fond au jardin de méditation, mais qui sera surtout un refuge, un coin de fraîcheur pour les animaux et les insectes. Cette harmonie avec la nature, Gaëlle, une amie de Loïc, vient justement en profiter. Salut Loïc. Salut Gaëlle, ça va? Ouais, et toi? Tu viens méditer? Ouais, c'est ça, je pars en balade méditative. Eh bien, bonne balade. Merci. Gaëlle est sophrologue et coach en respiration. La balade méditative, c'est de pouvoir prendre conscience de notre environnement par nos sens. Et puis la nature, du coup, va créer aussi des hormones qui sont bénéfiques pour notre bien-être. Moi, je suis native d'ici, amoureuse de la Drôme. On a la chance d'être pas loin de la montagne, pas loin de la mer, et on a un lieu qui est ouvert sur beaucoup de choses. Et la Drôme, pour ça, ouais, je trouve que c'est vraiment magique. Météo à la carte va vous faire profiter des conseils de Gaëlle de manière zen. À la rentrée, s'il y a trop de stress, trop d'accumulation de stress qui est là présent au niveau organisationnel, allongez le souffle, simplement. Et vous verrez que tout va se poser.
Assis avec le dos bien droit pour libérer le diaphragme, fermez les yeux et suivez le guide. Je porte mon attention à l'air qui passe par mes narines. Je porte l'attention à ma respiration, là, au niveau abdominal. Quelques minutes suffisent, 3, 5 ou plus si vous le souhaitez. Et juste comme ça, baissez le stress, les tensions. Une sérénité bienvenue pour commencer la rentrée avec toute la décontraction d'un jardinier zen. Zen, on poursuit cette émission dans les Landes où Hossegor n'a pas fini de vous surprendre. Oui, effectivement, huîtres, surf, sauvetage sportif ou encore Sesta Punta, cette ville de la côte atlantique vit au rythme des marées et des saisons. Agitée en été, elle se fait plus calme à l'approche de l'automne. En bref, la destination idéale pour celles et ceux qui partent en vacances en septembre, à bon entendeur. Entre lac et océan, Hossegor est une station balnéaire landaise, lovée au milieu des pins. Ses 3800 habitants profitent encore de ses longues plages de sable blond, de ses huîtres, de sa douceur de vivre et du surf. Mais Hossegor, c'est aussi une ville tournée vers l'avenir, aux traditions bien vivantes, où la vie s'écoule paisiblement au rythme des marées. Bonjour Aurélie, ça va ? Bonjour Jérôme, ça va ? Ça se passe bien ? Ouais, très bien. Tu m'emmènes ? Tu m'emmènes faire un tour ? Allez, attention de ne pas glisser, descends par ici. Je vais faire attention, je vais faire attention. Oh là là, dis donc. Tu veux que je te tienne ? Ça se complique là, hein ? Hop là, voilà. Aurélie est ostréicultrice sur le lac d'Hossegor depuis 5 générations. Et ce matin, elle va retourner ses poches d'huîtres. J'adore le matin. Ouais. Quand tout se réveille, c'est vrai. Elle est amie avec Jérôme, un amoureux d'Hossegor. La température de l'eau, ça a une influence quand même sur le développement des huîtres. Oui, complètement. La météo, c'est important dans leur cycle de vie. Plus il va faire chaud, elles vont être en reproduction. Elles vont commencer à être laiteuses. Alors qu'en hiver, l'eau est trop froide, donc elles vont pousser, elles vont faire la coquille, elles vont se nourrir, mais pas être en reproduction. Il faut entre 3 et 4 ans à l'huître pour obtenir une taille suffisante pour enchanter le palais des gourmets. Mais attention, les huîtres d'Aurélie ne sont pas comme les autres. Elles ont une particularité. Elles grandissent dans un lac relié à la mer seulement depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est de l'eau de mer, c'est la même eau qu'on trouve à l'océan. Le canal, il fait 1 km pour nous rallier. Et donc il subit toutes les marées, donc la marée montante. Et donc on a toute la faune et la flore qu'on peut trouver en mer, tout en étant protégé puisqu'on n'a pas les vagues. Mais c'est quand même exigeant, ça prend quand même beaucoup de temps. Oui, c'est l'agriculture de toute façon, hein. C'est l'agriculture de la mer. Donc on a très peu de vacances, il faut y être tous les jours. On dépend entièrement de la météo et des marées. Donc c'est très difficile de prévoir à l'avance le travail qu'on va faire dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est un choix de vie, hein. Je suis toujours dehors, je vois mes petits bébés grandir, j'ai les pieds dans l'eau, je suis super bien. Et quand la marée haute ne permet plus de travailler, il est temps de s'octroyer une pause. Elles sont bien charnues en ce moment. Hein. Ah ouais, elles ont l'air super. Hein. Magnifique. Magnifique. Merci. Aurélie. Et étonnamment, celle qui rythme la journée d'Aurélie, c'est cette horloge. Une horloge à marée, fabriquée par sa propre sœur Stéphanie. Jérôme, fan de la première heure et ami de Stéphanie, nous fait découvrir son atelier installé à Hossegor. Alors une horloge à marée, sur le principe, indique le temps qui reste avant une marée haute ou le temps qui reste avant une marée basse. Donc, si on regarde un cadran, l'aiguille indique que dans 3 heures, c'est marée basse. Ça date d'il y a plus de 250 ans, ce sont les Britanniques qui ont inventé ça. Sur le principe de la Tamise, pour pouvoir faire passer les bateaux, il fallait savoir exactement donc l'heure où l'eau affluait. Et c'est justement en voulant offrir un cadeau à Jérôme qu'elle a eu cette idée géniale. Remettre au goût du jour les vieilles horloges à marée qu'il y avait chez ses parents ostréiculteurs. C'était vraiment leur outil de travail. Ils savaient que quand l'aiguille était en bas, c'était l'heure d'aller travailler. Et ça nous servait aussi à nous de savoir que tant que l'aiguille n'était pas en haut, nos parents n'étaient pas à la maison. Aujourd'hui, elle vend ses créations dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Et il n'y a pas que les ostréiculteurs qui ont les yeux rivés sur ces horloges. Salut Julie, ça va ? En forme ? Ouais. Un petit peu de vent, hein ?
Ça souffle un peu, mais il va y avoir deux, trois petits bouts à se mettre, je pense. Okay. Tranquille. Jérôme, notre guide, retrouve Julie, une surfeuse passionnée. Originaire de Lille, elle a décidé de s'installer ici avec son compagnon pour réaliser son rêve, ouvrir une école de surf à côté d'une vague célèbre, la Nord. C'est effectivement une vague mythique, mais tout surfeur ne peut pas y aller. Et surtout l'hiver, elle peut être effectivement très très haute, très très grande. Elle vous rappelle vite vos limites, hein. Donc, à moment, la sélection est naturelle. Hein. C'est dans les années 50 que le surf déferle sur Osgore. Aujourd'hui, c'est même l'une des étapes de la Coupe du Monde de ce sport. Chaque pratiquant peut trouver son bonheur. L'été, on a des houles beaucoup plus petites, donc c'est plus simple pour commencer. Mais après, pour les surfeurs avertis, on commence à avoir les premières rentrées de grosses houles. Donc il y a du très très beau spectacle. La glisse en elle-même est une sensation incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul endroit au monde où j'ai pas de téléphone, où personne ne peut me contacter si j'ai envie d'aller surfer toute seule. Je suis vraiment toute seule. Je suis un peu un surfeur du dimanche, moi. Hein. Je suis pas un champion, mais et le soir, si on a pris une bonne vague, on va s'en souvenir. Il y a une vraie sensation. Il n'y a pas beaucoup de sports où on a cette liberté. Mais Jérôme a plus d'une corde à son arc. En plus d'être un surfeur émérite, il est aussi joueur de Sesta Punta, l'une des 23 disciplines de pelote. Salut Julien, ça va ? Salut Jérôme. Julien, lui, n'est pas un simple joueur amateur. C'est le triple champion de France de Sesta Punta. Tu es parti, tu n'es pas trop fort. Hein. Non, ça va. Hein ? Tranquille pour moi. Hein. Ok. Nos deux joueurs vont pratiquer dans la Mecque de la Sesta Punta française, le Rayalay d'Osgore. Rayalay, ça veut dire jeu allègre. Joyeux, quoi. C'est un mot qui est d'origine basque. C'est le seul mot basque qu'on ait. Après, tous nos mots sont espagnols. Sesta punta, voilà, le jeu à la pointe du panier. La particularité de cette discipline, c'est qu'elle se joue avec une chistera. Et ce n'est pas du folklore, mais un vrai sport dont Osgore est fier. C'est le premier rayalay de France. Il a été construit en 1958. C'est vraiment un lieu unique, mais ça permet de pratiquer un sport qui est le sport le bas le plus rapide du monde, puisqu'il y a des pelotes qui ont été chronométrées à plus de 300 km/h. Le sud-ouest de la France est marqué par l'influence directe de l'Atlantique, qui peut réserver bien des surprises. Au bord de l'océan, une autre discipline a le vent en poupe. Planche sous le bras, cheveux dorés par le soleil, regard bleu océan. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec une championne. Voici Emmanuel, 32 ans, et un beau palmarès de sportive à son actif. Son terrain de jeu, la plage d'Osgore. Elle y pratique et enseigne un sport plutôt méconnu en France, le sauvetage sportif. On fait comme on va faire de la natation, comme on va faire du foot. En fait, on a des statuts de haut niveau hein, dans ce sport. Donc la valeur ajoutée de notre sport, c'est qu'on est vraiment lié au sauvetage professionnel. Ce sport reprend les gestes des sauveteurs en mer. Peu importe la météo, il faut nager et courir rapidement, faire du kayak ou encore se servir d'une planche pour franchir les plus grosses vagues. Une discipline qui nous vient de l'autre côté de la planète, l'Australie. L'Australie, c'est la plus grande nation de sauvetage au monde. Ça existe depuis plus de 100 ans, alors que nous, la partie côtière est arrivée dans les années 90, avec des sauveteurs australiens qui sont venus travailler sur les plages en France. Depuis qu'elle a 6 ans, Emmanuelle est comme un poisson dans l'eau. Ancienne nageuse médaillée en équipe de France junior, elle se passionne pour le sauvetage à sa majorité. Les compétitions l'emmènent vivre sous le climat chaud du pays des kangourous, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Mais il y a 10 ans, elle décide de s'installer ici, à Osgore. Ce qui me plaît, ben déjà l'océan, ces grandes plages et cette nature omniprésente. C'est des plaisirs simples de la vie, mais c'est vrai que c'est devenu essentiel, quoi. J'aime bien cette petite citation, c'est aussi libre que l'océan et ça me ressemble aussi. Ouais. Sur cette mythique plage landaise, elle enseigne aux jeunes générations cette discipline qui peut sauver des vies. Et bien sûr, chaque journée commence par un petit coup d'œil sur la météo.
Aujourd'hui, on a un bon vent nord-ouest avec un bon mètre neuf de houle. Donc du coup, ça va être sympa les conditions à l'eau. Ça va être costaud. Malgré la mer agitée, Emmanuel et Adrien entraînent les poussins. Avec ce mauvais temps, pas un vacancier sur la plage, mais les petits ne sont pas frileux. Allez, go. Et se jettent à l'eau. Une fois qu'ils ont passé l'hiver à l'eau, avec une eau à 18 degrés, ça passe facile. Hein. Maintenant, ils s'entraînent à passer les vagues. Donc là, comme la marée monte, on va avoir de plus en plus des vagues de bord. Ce sont les vagues les plus dangereuses ici sur la côte. Donc là, ils s'entraînent à faire des dauphins. Donc c'est des plongeons pour passer sous les vagues et s'agripper au sable pour se maintenir à la position et pour pouvoir utiliser le sol ensuite pour repousser et passer ensuite derrière la vague. Et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure vers le large. Dans les Landes, le danger, c'est surtout les baïnes. Des courants circulaires puissants qui, comme un effet de tourbillon, piègent des milliers de baigneurs chaque année. Le premier réflexe à avoir, c'est surtout ne pas nager à contre-courant. Parce que c'est là où on a le plus gros risque de noyade. C'est en voulant nager à contre-courant. Et là, on commence à se fatiguer et on commence à avaler de l'eau. Et là, c'est pas comme ça qu'on a des gros risques. Donc on se laisse dériver, on lève le bras si on a des sauveteurs pour pouvoir appeler à l'aide. Pour pratiquer le sauvetage sportif sur les grandes vagues comme aujourd'hui, Emmanuel et ses élèves se servent de grandes planches. Ça mesure à peu près 3,20 m. On va avoir des poignées à l'arrière qui vont nous servir dans les vagues, à tenir la vague jusqu'au bout. On va avoir des poignées à l'avant qui vont nous servir à passer les vagues pour se retourner et pour passer au large. Osgore porte bien le titre de ville des sports et de l'élégance. Bercé par l'océan et la douceur de son climat, il est encore temps de découvrir ses trésors lors d'une escapade de fin d'été. Et tonnerre de Brest, ce météo à la carte du 19 septembre, journée internationale du langage pirate, est terminée. Morbleu, si vous ne voulez pas nourrir les poissons. On se retrouve dans Météo La Suite sur France 3, à tout de suite. C'était Météo à la carte avec les lasagnes bolognaises Fleury Michon, lentement gratinées dans leur barquette en bois. C'est trop bon, Fleury Michon. C'était Météo à la carte avec Comme il faut. Plus de 100 magasins partout en France pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Comme il faut, votre conseiller Store et Fermeture. Ce jeudi sera la journée la plus douce et la plus ensoleillée de la semaine avec des températures bien souvent au-dessus des 20 degrés et ce, sur l'ensemble du pays. Météo La Suite s'intéressera aux impacts de la météo sur la cathédrale de Strasbourg. A tout de suite en direct sur France 3. Get out there. Si notre faisselle est toujours aussi bonne, c'est parce que les femmes et les hommes de Riant ont su transmettre leur savoir-faire. Redécouvrez le goût unique de la faisselle. Riant. Qu'est-ce que vous faites avec vos téléphones, les jeunes ? Je commande une robe, papy. Je commande des sushis. Et toi, tu fais quoi ? J'ai commandé un opticien Optical Center. Il arrive. Bonjour, monsieur Laurent. On avait rendez-vous pour votre examen de vue. J'ai tout comme au magasin, sans me déplacer et sans rien à ma charge. En optique et en audition. C'est plus rapide que mes sushis. Et moins cher que ma robe. Ah, Optical Center Mobile vient à vous gratuitement partout en France. Bénéficiez de votre équipement 100% pris en charge. Rendez-vous au 3052. C'est bon, j'ai appelé le plombier. Il passe dans 3 jours. Parfait, mon amour. Sinon, il y a Desktop Turbo. Pour quelques euros, sa formule concentrée débouche illico les bouchons, même les plus difficiles, en 5 minutes chrono. Desktop Turbo. Qu'est-ce que ça sent mauvais ici? Bah, chérie. Desktop traitement intégral désinfectant. Il nettoie en profondeur, élimine les résidus et 99,9% des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Desktop traitement intégral. Quand mon audition a changé, Audicam a compris. Je ne veux pas juste continuer à entendre la musique. Je veux rester moi-même. Merci à tous nos clients qui recommandent notre expertise et notre écoute. Comme eux, faites un bilan auditif gratuit avec un de nos experts. Restez vous-même avec Audica, dispositif médical.
Les amis, on me demande souvent si Comme J'aime, c'est cher. Ben non, c'est à partir de 3,92€ par repas. 3,92€. Franchement, je vous le dis, c'est moins cher qu'un sandwich. Pour ce prix-là, avec Comme J'aime, vous avez de vrais repas. Par exemple, des lasagnes avec un entremets au chocolat. Un couscous avec une crème vanille. Pour perdre du poids, sans se priver, sans se ruiner, faites Comme J'aime. À partir de 3,92€ par repas. Allez, rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Ou appelez le 0837 37 37. Franchement, c'est pas cher. Alors, j'ai commencé à chercher le moyen de sécuriser ma vie et de libérer mes enfants. Et quand mon fils vient, il me dit « Je suis contente de te voir là. Je me sens libre, indépendante. Alors je ne sais pas ce que je pourrais demander de plus. » Dans une résidence service senior Domitis, votre loyer comprend l'allocation et de nombreux services. Calculez et comparez sur domitis.fr. Profitez bien de votre essai gratuit. Allô, tu m'entends ? Oh oui, j'entends très bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oh oui, j'entends très bien. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis ? Oh oui, j'entends très bien. Alors, tout s'est bien passé ? Oh oui, j'entends très bien. Essayez gratuitement Ampli Mini chez Amplifon, expert de l'audition depuis plus de 70 ans. Prenez rendez-vous au 0800 128 128, dispositif médical. Je suis dans des lieux merveilleux et dans les lumières des spectacles. Dans les architectures fascinantes et dans le scintillement de la mer. Embarquez pour un bel hiver en Méditerranée. MSC Croisières, révélez la beauté du monde. Sensation d'un vrai sous-vêtement. Regardez Météo à la carte la suite avec les lasagnes bolognaises Fleury Michon gratinées dans leur barquette en bois. C'est trop bon, Fleury Michon. Retrouvez Météo à la carte la suite avec Comme Il Faut. Plus de 100 magasins partout en France pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Comme Il Faut, votre conseiller Store et Fermeture. Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine au cœur de la météo chez vous. Et on vous emmène immédiatement à Strasbourg, où la cathédrale est l'objet d'une étude sur l'impact de la météo. Depuis le printemps dernier, une étude sur l'incidence du climat sur la cathédrale de Strasbourg est menée par différents scientifiques. Ces travaux se poursuivront pendant 3 ans et permettront de déterminer les effets des variations de température et de l'humidité sur le grès. Explication avec Bertil Dutoit. Elle a 585 ans, elle mesure 142 mètres. La cathédrale de Strasbourg incarne l'âme de l'Alsace. C'est un symbole dans le paysage architectural français. Mais la vieille dame montre quelques signes de faiblesse face aux variations extrêmes de température du climat alsacien. La fissure a progressé, même à l'œil on le voit. On s'en rend bien compte qu'elle a déjà bien évolué et que l'écartement s'est bien prononcé déjà. Une équipe d'experts, amoureux du patrimoine, remue ciel et terre pour sauver l'édifice confronté au réchauffement climatique. Et en fait, le but, c'est de laisser un maximum d'informations et de connaissances pour justement les générations qui vont nous suivre. Salut Mathieu. Salut. Bon, c'est parti. T'es prêt pour les 330 premières marches ? 330 66. Marches. 66 mètres. Après, il y en aura encore de nombreuses autres, plus loin. C'est parti. Une escalade, ça vous dit ? Vous n'avez pas le vertige, j'espère. Après un quart d'heure d'ascension, des escaliers en colimaçon et une vue époustouflante. Adèle, chercheuse pour un laboratoire spécialisé dans l'analyse de matériaux du patrimoine, arrive dans son laboratoire à ciel ouvert. Quelle vue ! Bon, il reste 40 mètres, c'est ça ? 34 précisément, ouais. 34 mètres. Pour arriver aux 100 mètres. Bon bah, on y retourne, hein. Mais Adèle doit maintenant, tout comme nous, gravir les 30 derniers mètres, totalement interdits au public et encore plus vertigineux.
Elle surplombe alors Strasbourg grâce à Mathieu, conservateur-restaurateur à la fondation de la cathédrale. Leur mission, anticiper l'évolution de l'état du monument sur 30 à 40 ans, alors qu'il commence déjà à se détériorer. Nous, on observe et on connaît l'évolution de la cathédrale, des matériaux, on sait voilà, de façon empirique beaucoup de choses. Maintenant, il s'agit de corréler ça avec une démarche scientifique, en fait, d'où le partenariat avec Adèle et